c'est né dans cette pièce, mais je ne sais pas il y a combien d'années. On a un peu démarré parce qu'on était au bout de toute une série de choses qu'on faisait en musique, où on n'avait plus d'idées clés sur porte. Enfin, ou de dire, tiens, j'ai apporté un morceau avec trois accords. Et donc, on a fait plein d'improvisations ici qui sont devenues une première série de morceaux. Et on a toujours continué comme ça, en fait. C'est un peu vraiment accepter l'échec de l'improvisation. C'est vraiment, c'est toujours, tu passes par des phases où tu arrives à... où ça donne rien. Pendant très longtemps, c'était vraiment nul. Mais en fait, il faut apprendre. Tu es obligé de respirer avec l'autre et de former une espèce de matrice comme ça. Enfin, une fois qu'on a trouvé le truc, là, les morceaux commencent à se dégager assez naturellement. Voilà. Ceci dit, voilà, autant Fabrice que Kevin, je me retrouvais avec des gens qui avaient une plus grosse expérience aussi. Et donc, on a pu, au vu de cette expérience, on a pu se dire, on fait pas les timides, on arrive avec rien. Et c'est pas grave. Moi, je me souviens, les premiers moments, c'était quand même un peu presque impressionnant de se dire, on est à trois et on va devoir jouer maintenant. Et donc, c'était un peu, ok, on y va. Qui lance quoi, donc ouais, non, c'était intéressant. On n'était pas sur un terrain, on était en terrain inconnu. Ouais, on n'avait rien préparé non plus, on voulait juste jouer. Je pense que ce qui nous lie, et ça va être très cliché ce que je veux dire, mais c'est un peu l'idéalisme par rapport à la musique aussi, une espèce de forme de don de soi, essayer de créer quelque chose d'esthétique, mais sans aucune, on n'est plus du tout dans une recherche. Dans une recherche où on va déjà penser le disque va sortir, on va faire énormément de live, on va voir. On n'est plus du tout dans ce monde-là. Donc d'abord, ce qui nous importe, c'est de créer un objet artistique qui nous plaise. Donc c'est vraiment, on a complètement changé de paradigme. C'est plutôt des images générales qui nous. En fait, on lance des idées, on rigole, et puis à un moment, il y a une image qui se dégage du texte. Et on va essayer de creuser cette image. Ici, pour Rennes, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment puisées des réseaux sociaux, de cette espèce de côté super éphémère, de tout le monde a un avis sur tout. En même temps, c'est intéressant parce qu'on est comme des éponges. En fait, on prend ce qui vient en impro, et puis pour le texte, on se greffe très fort à un état... Enfin, on a un peu ce réflexe d'aller sur l'ordi pour commencer à faire des textes, et puis à un moment, on se dit, tiens, enfin, je sais pas, on parle de la rencontre de Trump avec Kim Jong-un et Kim Kardashian, et puis on se dit, ah, c'est marrant, ça a lieu quelques semaines d'écart. Yvette Horner était morte aussi, à ce moment-là, et Johnny Hallyday, donc c'est dit, tout ça lié, d'une certaine manière, on a tout mis dans un texte. Oui, c'est plus tourné vers l'extérieur, assez immédiat, donc même si parfois il y a des choses qui sont à mon avis un peu cryptiques, on pourrait relier à des faits assez évidents, je pense, chacun des textes.